Voici un homme des ténèbres debout devant lui. Son épée nue. Dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou des noms ennemis? Il répondit: non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre. Se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car les liens sous lesquels tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Josué 6, 1 à 3. Okay. Jéricho était fermé et barricadé. Devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses fiancés soldats. C'est la parole du Seigneur. Ah. On s'arrête là-bas pour avancer. Hier, nous avions dit dans l'introduction, que ces événements se passent à la 40e année. Nous avons donné une façon de comprendre cela facilement. Et que Moïse est mort à l'âge de 120 ans. On répète cela pour que cela soit bien compris. Quand il avait 40 ans, il est allé visiter ses frères. Il a vu comment on a traité les Israélites. Il a pris défense des uns des Israélites. Et puis, la nouvelle s'est répandue. Et puis, Moïse a fui. Là, il avait 40 ans. Et puis quand il va de l'autre côté, il va faire encore 40 ans du côté des Mandiens. Et là, il avait 80 ans. Il revient
pour travailler avec Israël et faire s'en sortir d'Égypte. Et il va mourir à l'âge de 120 ans. Donc dans le désert, Moïse lui-même a consommé les 40 ans avec le peuple. Ah, Moïse, yemoko a saléni mibutukumi neina libotanzabe. Pour juste confirmer encore cela en disant Deutéronome 1 verset 3. Ah, pour la condamnation, encore il sous totali mon cadavre est bandila. Mon capo ya liboso, mon logo ya misato total. Dans la 40e année, Namubu ya tukumine. Au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était la 4e année. Pourquoi on parle de 40e année? Ce n'est pas l'année de la naissance. Depuis la naissance de Moïse. Et ça mais c'est depuis la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Donc, Moïse lui-même a fait 40 ans. Est-ce que c'est clair? C'est donc ce témoignage. Sur base de cela, nous essayons de faire ces croquis. Il y avait eu le début ou le commencement. Et ça qui n'est pas là. Le commencement. Et ça qui n'est pas là. Et puis il y avait la fin du ministère. Et ça qui peut la souka ya tomo ya monse. Et pratiquement vers les 40e année. Cette 40e année, c'est là où Moïse part et Josué prend relève. Si même vous ne comprenez pas d'abord au début, retenez seulement. Vous savez, toutes ces choses, on ne les a pas écrites. Quarantième année. Josué voit quelqu'un qui arrive. Yoshua a moni moto moko kuya. Lui-même se présente, il dit. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est clair. Hein? Étant le chef de l'armée ici, vous remarquerez, j'ai fait une remarque pour faire voir que même Josué ne le connaissait pas. Ah, Nathalie Sakielo, comment vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez parce qu'il lui a posé la question. Et tu es notre vous allez à Bissot. Ou des ennemis. Tout père Bangouna à Bissot. Cela veut dire en d'autres termes, en le voyant, Josué ne le reconnaissait pas. Et il dit que vous avez 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 aussi, ma yabo mala. Je ne sais pas si nous aurons le temps, mais retenez-moi ça. Je vous ai dit encore hier. Jésus, il a dit à ses disciples, passons, allez devant moi. Comme c'est l'enseignement, c'est bien de lire et prouver cela avec les Écritures. Retenez ça parce que sinon les autres vont dire que c'est un fantôme. Mais vous retenez très bien, suivons-nous comment nous marchons. Matthieu 14. Je lis dans la parole vivante. C'est ce qui s'était passé lorsque Jésus a dit à ses disciples d'aller de l'autre côté.
Verset 20, tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'il passe avant lui de l'autre côté. Du lac. Pendant ces temps, il fait faire partir les foules. Croyez-vous aux Écritures? Croyez-vous à ce que nous lisons? Jésus, Jésus lui-même faisait des choses qui faisaient attirer les gens. Et voici, ils sont venus. Lui, cet homme l'appelle de diviser ces gens en deux. C'était le diable. C'était qui? Jésus. Jésus. Il les a divisés en deux comment? Il oblige à quelques-uns de monter sur la barque pour aller de l'autre côté. Ce n'était pas d'eux-mêmes. La Bible dit qu'il les obligea. Est-ce que c'est clair? Ils étaient dans la foule. Un petit groupe. Il dit pour vous. Je vous oblige. Ne restez pas ici. Allez de l'autre côté. Et il se donne aussi la peine de renvoyer la foule. C'est ce qui est écrit. Et tout le monde lit ça. Pourquoi j'ai posé la question si vous croyez? Tu peux suivre Jésus. Mais sache que Jésus est capable de te renvoyer. Est-ce que c'est clair? Amen. Nous allons faire une première démonstration. Il y avait 10 lépreux qui étaient malades. Combien? Boni. 10. Ils avaient entendu ce que Jésus faisait. Et ils sont venus pour être guéris. Au nombre de combien? 10. Jésus lui-même. Il entend les 10 lépreux parler. Dans la bouche de Jésus, il dit à ses lépreux clairement, allez vous présenter là où il y a le sacrificateur. Qui a dit ça? Ce n'était pas le même. Jésus. Il a dit quoi? Allez, Bokenda. Ces gens avaient bien compris. Ils avaient bien compris. Et ils sont commencé à marcher. Ils marchaient pourquoi? C'est parce que Jésus les avait dit. Allez, Bokenda. Quand ils marchaient, si tu les vois, tu leur poses la question. Vous allez où? Pourquoi vous partez? Ils te diront, nous l'avons écouté. Lui-même, il nous a dit, allez. Dans le dictionnaire, allez veut dire, quittez là où vous étiez pour partir de l'autre côté. Pendant qu'ils avançaient, ils avançaient, Yeah.
très clair. La foule s'est divisée en deux. Et tout le coin est capable de les mères qui continuent de partir. Continuent d'aller. Or c'est là qu'ils avaient reçu la guérison.
Dieu peut commencer quelque chose en vous, vous l'avez déjà alors que vous n'avez pas encore vu. Quand vous croyez, marchez. Le jour où vous verrez cela, ce n'est pas ces moments que vous l'avez reçu. Je crois que tu as déjà ta guérison. Je crois que tu as déjà ton travail. Même si tu ne l'as pas vu, parce que tu as rencontré la solution, il t'a tout donné. Maintenant, Jésus voit cet homme qui rentre seul. Il dit, Alobi. Où sont les autres? Mais ce que j'aime, c'est quoi? On a dit que Zanini, cette parole qu'il ajoute, il vous a aidé. Et Zanini, Maloba, Oyo, a Bakisiwa. Lisez cela vous-même. Qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme qui est rentré? Il lui a dit quoi? Luc 17, le verset 11. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Un, va. Deux, ta foi t'a guéri. Et puis, ta foi t'a guéri. C'est moi. Lève-toi. Voilà. Donc, nous venir pour faciliter la tâche. Luc chapitre 17. C'est la partie de la réponse. Le verset 17 au verset 19. Jésus prenant la parole et dit, yes, vas-y, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir? T'a sauvé. Ils étaient au nombre de combien? 10 étaient guéris. Amen. Les 10 étaient guéris. Ils étaient guéris par rapport à la chair. Amen. Mais un seul, si mon coca, il a été guéri aussi par rapport à la chair. Jésus les renvoie donc. Il monte à la montagne.
Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples. En marchant sur les eaux. Quand les disciples les voient marcher sur l'eau, ils ont effrayé. Ils disent, c'est un fantôme. Et ils se mettent à crier. Jean te dit, il y aura un peu de même moi, le sacrificateur,
vous êtes en dehors du royaume. Vous savez, les gens disaient la vérité. Il disait la vérité. Il disait la vérité. Répentez-vous. Moi, je me suis déjà répandu. Je venais de voir un prophète. J'ai confessé mes péchés. Jean t'a dit, répands-toi. Parce que le royaume des cieux est proche. C'est là où nous allons un peu nous disputer entre nous. Jean s'est dit au milieu d'un peuple religieux. Écoutez ce que Jean dit. Dans le livre de Jean. Il le dit clairement. Écoute ce que Jean dit. Tu peux lire dans la version seconde. Tu peux lire la version seconde. Jean 1. Yohani mon capo na limoso. Commencez dans le verset. Na molongo ya. Jean 1, verset 26. Tukumi balé na motoba. Jean 1, 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean leur répondit. Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un qui est que vous ne connaissez pas. Qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Verset 30. C'est celui dont j'ai dit. Après moi, si manangai, vient un homme qui m'a précédé. Car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Marchons lentement ici. Mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël. Que je suis venu baptiser d'eau. Maintenant, suivez, je sais que vous connaissez très bien ces textes. Suivez maintenant ce que nous voulons dire. Jean est au milieu des peuples d'Israël. C'est pas ça? C'est ça. Il est dit ceci. Au milieu de vous, il y a qui? Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il a fait la vérité. Alors, il est solo. Il a dit la vérité. Alors, il parlait de qui? À cette colonne de la main. J'aime bien l'appeler au nom de Christ. Ah, dans la copine d'ailleurs, il a comme un Christ Thomasia. J'en parlais de qui? Il y a cette colonne de la main. Si vous faites des simples choses, je prie vraiment que Dieu te donne de l'intelligence maintenant. Ça me a pris ça, il y a la terre à ma cabo, Miquet, si colle. J'en dis au peuple. Est-ce que vous savez? Tu penses vraiment que quand Jésus viendra, tu les reconnaîtras?
Est-ce que vous me suivez? Jean dit que quelqu'un au milieu de vous. Il n'est pas dans les ciels. Il est au milieu de vous. Mais vous ne le connaissez pas. Est-ce que je pose la question? Ce que Jean disait est vrai. Au commencement de son ministère, même Jean lui-même ne le connaissait pas. Pourquoi? Parce que Dieu qui a envoyé Jean ne lui avait pas donné la totalité de la chose. Suis-moi avec intelligence. Il dit à Zoloba, quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est dans quel temps? Présent. Je n'ai jamais dit quelqu'un que vous ne connaîtrez jamais. Il dit pour le présent, pour le psycho, vous ne le connaissez pas. Mais parce que vous êtes un peuple de Dieu, si vous croyez à ces messages, si vous recevez ce que Jean vous dit, c'est que vous ne connaissez pas. Vous le connaîtrez. C'est pour lui que je suis fait. Dieu est celui qui ajoute la connaissance. C'est pourquoi Jean, quand il enseignait, il n'avait pas honte. Il savait que j'ai une partie de connaissance. Et cette connaissance-là, il n'a pas attendu que ça soit complet. Amen. Dieu, Colo, il dit à Jean,
Si je te dis, c'est lui qui viendra. Son nom c'est tel. Par des noms. Tu peux voir plusieurs personnes qui ont le même nom. Sur la je te donne pas son nom. Même si je te donne, te montre son visage. Il y a d'autres jumeaux. Ils ont le même visage. Les ADN différents. C'est vrai ça? C'est pourquoi Jean, je te donne ni son nom. Ni son visage. Mais je te dis que tu dois être à son service. C'est le Jean. Quand tu commenceras à baptiser, ne baptise jamais quelqu'un. Combattisa moto sans qu'il ait à confesser. Ah, parce que la repentance. C'est le message que je t'envoie donc. Ah, Ezali, Mathieu on a fait copier ça. C'est comme ça quand les gens venaient. Il devrait confesser leurs péchés. Avant d'être baptisé. N'explose jamais quelqu'un dans l'eau aussi longtemps qu'il n'a pas confessé. Un homme qui a une femme. Alors qu'il n'a jamais payé l'argent des dots. Il y avait les consommations de sa course. Et ça, qui n'est pas bien à côté pour la tour.
vais ici très bien. On te dit qu'est-ce que j'en. Il y a quelqu'un au milieu de vous. Je ne les connais pas. Est-ce que c'est clair? Il est resté sur ce message. Il continuait. Parce que Dieu lui avait dit. Le Christ en question. Christ dont je t'ai pas fait voir. Oh, ni les noms. Ni les visages. Tu les connaîtras. Il n'est pas dans les cieux. Il est là sur la terre. Quelque part là. Vous les connaissez pas. Est-ce que c'est clair? Pendant que Jean continuait. Il devait être attentif. Et c'est la case à la monquette. Quand il baptisait, parce que s'il ratait ça, ce qui a zagné avant, toute sa mission serait terminée. Ah, mon salaire, son zabati, n'a qui est même pas. Il aurait joué toi. N'a qui a zagné à longue. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est qu'au milieu des gens, il y a des gens qui viennent à Jean. Ah, n'a qu'à sa baptiser, n'a pas tout même pas. Pour se faire baptiser. Voilà, qu'on s'en baptise. Qui sont-ils? Il y a quelqu'un sans péché. Il viendra aussi à Jean. Pas pour se faire baptiser pour la repentance. Mais afin que Dieu complète ce que Jean ne connaissait pas. Est-ce que vous me comprenez? Jean devait l'identifier. Il est un prophète. Quand les gens venaient vers lui, par les yeux du prophète, il regardait. Il voyait que tous les gens venaient vers lui pieds nus. Dès qu'il te voit pieds nus, dès que tu as des chaussures, les gens te regardent. Il te voit pieds nus. Il dit bon, ça ne peut pas être. Parce que Jean a dit, je ne suis pas digne. Lorsque les gens venaient pour se faire baptiser, un jour, mon ils voient quelqu'un en train de venir. Jean regardait, il a vu les souliers. C'est comme ça que Jean a dit, j'ai commencé à baptiser les gens parce que je suis digne pour les baptiser. Mais toi, je ne suis pas digne. Si tu viens chez moi, qu'est-ce que tu dois faire? Faut tomber. Tu dois confesser. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi Jean Zakinalo, l'un doit venir en c'est pourquoi Jean était vraiment fier près des autres. Quand tu viens, de tomber là, tu commences à confesser. On va tomber là, tu commences à confesser. Yo qui m'a soumis. Ah, ce serait un temps de tes péchés. Tant qu'on conditionne à moi, il te plonge dans l'eau. Maï est bombé pour sauter à ma soumou. Ah, le couvre les okay. Et toi tu sors et tu n'es pas. C'est que Jean savait, Jean et Maki, que moi, Naï, je suis digne de baptiser qui? N'a pas dit ça, les pécheurs. De baptiser qui? Les pécheurs. Alors que Jésus n'avait pas encore été plongé dans l'eau. Il vient pour se faire baptiser. Mais Jean commence à parler. Ce qu'il n'avait jamais fait avec les autres. C'est la première personne qui commence à discuter avec lui. Laissons faire ce qui est juste. Ah bon? Jean le laisse. Yoann a dit qui est. Parce
ce que Jean compris, c'est la sainte personne que Jean a baptisé sans qu'il y ait confession. Ah, parce que Jean l'a compris, il l'a pris, il l'a plongé, il l'a plongé sans confession. Et quand il sort, tellement Jean était stupéfait. Les gens étaient tout. Ils attendaient d'être baptisés. Or, tout était suspendu. Et quand les gens regardaient, de peine qu'il échappe à ce que Dieu avait fait. C'est comme ça quand Jésus partait. Alors le ciel s'est ouvert. La colombe est descendue. Jean a vu. C'est que tu ne sais pas au commencement. Garde la parole. Un jour, tu connaîtras cela. Ton bando soit dans ce mot très bien. Ah, maintenant nous allons commencer à débattre. Vous m'avez compris? Ouais. Au début, Jean connaissait. Non. Je vais maintenant essayer de t'aider pour que tu ne sois pas scandalisé. Ah, na lingina me. Est-ce que vous savez que Jean l'attendait? Et Yohana Zekoselaï. Oui. Le peuple aussi l'attendait. Il ne connaissait ni Jou. Ayebaki. Ayebaki mon colonté. Ni l'air. Attends mon gâteau. Est-ce que c'est vrai? Ah oui. Suivez-moi très bien. Ola Dangaï Malam. Dieu seul le savait. Zambé mon quoi Ayebaki. Ni les Jou. Et ça ni l'air. Et ça la conga. Mais. Avant que Jésus ne soit baptisé, il y a moins que Jésus soit baptisé. Quand Jésus venait, en voyant le premier signe, qui était le soulier, Jean a connu le jour. Yoani, Ayeba qui était ça pour Colo ou Anna Penza. N'entre pas dans la divagation, suis-moi attentivement. Les jours qui étaient mystères, mon Colo est là qui est bon. Les jours de la venue de Christ. Ah, mon coloya boré, il y a Christ au Massia. Personne ne connaissait. Mon tombo côté. Ni l'air. Ni jour. Et ça, mon colo. Mais il savait qu'il allait venir. Il n'y a pas de seigneur qui a eu à peine. Mais ce jour-là, c'est mon colo. Avant que Jean l'identifie, il y a moins de rien à y avoir ça. Les jours, mon colo. Il était connu. Et il y a pas de qui. Est-ce que c'est vrai? Ah. Même l'air. Attends, mon gars. Était connu. Je vais maintenant rendre clair ce que je veux dire. Vous savez que tout le peuple croyait à la venue du Seigneur. Oui. La première venue. Oui. La première venue. Oui. Retiens-le bien. C'est quoi je disais au bien la pasteur, au bien la bande. Je t'avais dit d'aller évangéliser même les hommes de Dieu de venir écouter. Et toi, retiens bien ce que je veux dire. Tout ça, nous préparons ce que nous allons poser à la 40e année par rapport à Josué. Nous sommes tous allés au bon guisani, nous sommes tous allés au bon guisani. Avant que Jésus ne vienne, le Christ, la première prophétie, quand le péché est entré dans le monde, la première prophétie, c'est l'Éternel lui-même qui l'avait fait. Il a dit quoi? Je mettrai inimitié entre la femme. Et qui? Le serpent. Entre la postérité du serpent et la postérité de? La postérité de? Qui était la postérité de la femme? Cette postérité de la femme, c'était le Christ qui devait venir.
Mais ce jour-là, Dieu n'a pas donné ni les jours. Nzambe a pesa eza la tamo ko la pesa te ni le atamo nga aucun ange ne savait ça atamo je lu mo kwa yeba te aucun homme ne savait ça atamo to mo ko ni les gens savaient si ma to ma yeba la possibilité de la femme de bébé ah et te kita na mo te singe la kia ya na ma bébé est-ce que c'est vrai ah. Le temps évolue tamo e kenaki un autre prophète est arrivé ah mo sako ni mo sou soyez son nom était Esaïe. Dieu l'avait dit, ça fait alors qui? Ce serait la postérité de la femme. Et qu'on sera quittana, il y a moi si. Quelle femme? Moi si ni. On ne la connaissait pas. Oui. Est-ce que c'est clair? Ah. Ça c'est dans Genèse 3. Ouais. Comme Dieu marche. Le coup l'a tapé à Tambola. En marchant. N'a qu'on Tambola. Esaïe est arrivé. Isaïe. Dieu a gardé ce qu'il avait dit au commencement. Mais il a ajouté quelques détails. Il est un Dieu qui ajoute. Qui augmente la connaissance. Esaïe est venu. Isaïe. Il a dit. Alors, une vierge concevra. C'est que sur la femme, on a ajouté des. Est-ce que c'est clair? Parce que vous savez que toutes les femmes ne sont pas vierges. Ah, pour que Dieu te passe, il y a ce bassin dans mon terre. Désormais. Ah, vous t'avez. Avec ces détails d'Esaïe, n'a pas si que ça. Quand une fille naît en Israël, tellement moi, moi, si mon cabot termine, on doit la garder. C'est qu'elle m'a battu les mains. Vierge. Ah, non, mais dès qu'elle perd sa virginité, tellement qu'à cabot ici, terminé, elle est éliminée de la liste. Si, ballon, on doit aller dans le salon, mais il y a un jour. On ne connaissait ni les jours, ni les. Personne ne connaissait ni les anges, ni les prophètes. Dieu seul les savait. Est-ce que c'est clair? On attendait la première venue. Est-ce que c'est clair? On avance. Tout pour ça. Le temps avancé à moi. Quand Dieu bouge, quand Dieu bouge, il faut bouger avec Dieu. C'est comme les enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte. Ils sortent. Ils campent ici. Toi, yo, si tu les vois, si tu es intelligent, Dieu te rejoindra. Si tu te rejoins pas à elle, tu vas te promener. Tu dis, je viendrai les voir. Recevoir la nourriture fraîche. Pour la cause de l'éloignement qui t'a montré. La parole au temps convenant. L'éloignement. Ce sont les détails qui font la différence. Et ça n'est pas si qui descend à mon caissier. Sur le plan général, tout le monde accepte. Mais dans les détails, c'est là où il y a la différence. Et ça n'est pas si qui descend. Une vierge est arrivée. On attendait une vierge. Le temps avançait. Un jour, mon colombo, Dieu dit un ange. Zambé. Il y a un ange. Gabriel. Gabriel. Toi qui es un ange. Yo, toi qui ne connaissais ni les jours, ni la personne. Aujourd'hui, je t'envoie là d'Israël. Tu vas trouver. On continue d'attendre la venue du Messie. Est-ce que c'est clair? Maintenant remarquez, quelques temps après, Marie est devenue grosse.
Jésus n'était pas né. Et un homme sur la terre savait que le Christ est là. Est-ce que vous me comprenez? Il était là au milieu des hommes. Il y avait une femme de l'autre côté. Au nom d'Elisabeth. Elisabeth. Marie quitte là où elle était. Marie a l'ombre ici. Elle va voir Elisabeth. À quel côté là, Elisabeth? Elisabeth crie. Elisabeth a dit, la mère de mon Seigneur. Oh maman. Elle est venue vers moi. Un homme sur la terre. Il a su les jours avant la naissance du Messie sur la terre. C'est pas les fantômes, c'est la Bible. Ah, et Zanie Limate, Bibli Ande. Je vais peut-être te provoquer encore. Ah, n'a qu'on tout mon la Jésus. Vous savez qu'aujourd'hui nous attendons le retour du Seigneur. Oui, bien, t'es là, nous avons la position encore. Toutes les églises attendent le retour du Seigneur. Avec les agneaux sont mon amour, plus bon, c'est la Jésus. Le jour que le Seigneur viendra, mon colon, 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 on les connaîtra en avance ou pas. Voilà ce que nous allons enseigner. Ah, il y a un bon de ton côté. Je sais que tu me diras. Jésus lui-même a dit, personne ne connaît ni les haines ni les jours. Est-ce qu'il y a vu dans quel temps Jésus a conjugué ça? Au moment où il a tamponné, il a conjugué ça. Il a dit, personne ne connaît. Jésus n'a jamais dit, personne ne connaîtra. Amen. C'est pourquoi vous comprendrez pourquoi le chef a dit, je suis le chef. Je suis arrivé maintenant. Renforcez-vous, je crois que Dieu te fera grâce pour comprendre ça. Amen. Vous quel jour? Ne viens pas me poser à mon colonie. Je parle comme Jean. Vous ne connaissez pas. Oui, pite. Je ne dirai pas que vous ne connaîtrez pas. Na kolobate ke okoye ba ka tete. Je me fais, je vous provoque encore. Ah, na tie pour tout goma. Vous voyez jusque là que Israël on attendait qui? Qui nous allait se faire cette cause là? Le Messie. Ah, Massia. On a commencé à attendre le Messie depuis la prophétie de Genèse. Ah, papa dit qu'on sera Massia. Où t'as dit ça quoi? Yé Mandela. Les gens attendaient. Pas tout cause là. Il mourait dans l'espérance sans avoir vie. Ah, Abraham a attendu le Messie. Il est mort. Isaac a attendu le Messie. Il est mort. Mais il est arrivé un nom. C'est en Israël. Son nom était Siméon. Lui aussi attendait le Messie. Il avait la même foi que Adam avait. Oh, Adam a zaki na. Mais Adam est mort. Il n'a pas vu le Messie. Quand Siméon est arrivé, lui a dit, pour toi Siméon, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. C'est que dans les groupes des gens qui attendent le Messie, il a choisi quelques-uns. Et Simon était là. Je ne sais pas c'était à quel âge. Comme Dieu lui a dit, Simon, tu ne mourras pas. Moi j'aime le Seigneur. Il savait que Israël était des esclaves de qui? Des Romains. Il savait que les Romains peuvent se rébeller. Il peut se rébeller. Il cherche à taper, à tuer les juifs. Comme font les dominateurs sur ceux qui sont faibles. Si Simon il a quelque part. Ah, ceux qui Simon a ça. Et que les gens viennent pour attaquer ces gens-là. Même s'ils fuient, il se tient seulement ici. Simon sait que.
Tu sais qui est Simon? Toi, tu as la foi que tu as reçue par l'enseignement d'une femme. Tu te dis être Simon. Siméon savait. Même si maintenant je ne connais ni les jours ni l'heure, mais l'Éternel, il m'a dit, tu le verras. Et le jour où est arrivé, je ne sais pas Siméon faisait quoi. Je ne sais pas il était où. La Bible dit, lisons-moi ça pour terminer. Ah! Luc. C'est pas les fantômes, c'est le Seigneur. Esaïe Limateza Kolobikomi. Verset 25. Tout à dit, Molongo, il y a tout mis. Et voici. Pétala. Il y avait à Jérusalem. Esaïe à Jérusalem. Un homme appelé Siméon. Cet homme était juste. Azaki et bien. Toi tu attends le Messie. Est-ce que tu es juste un Dieu? Plusieurs maris. Et il a continué, il dit, nous savons que le Messie vient. C'est comme toi. Les frères, répandons-nous. Vivons la sainteté. Des âmes sont des siens qui se sont répandus, qui verront le Seigneur. Siméon attendait les fils. Parce qu'il attendait, il était juste Dieu. C'est comme ça la Bible dit. La Bible dit. Cet homme était juste Dieu. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui.
fait grâce. Quand les maestis viendront, on les connaîtra au nom. Je peux te scandaliser, mais je t'ai guéri. Il y avait un nom sur la terre. Son nom était Élie. Il a vu des gens mourir. Ah, à mon avis. Des gens mourir. Koufa. Lui aussi s'est mis dans la liste de ceux qui allaient mourir. Il est parmi ceux qui n'ont pas mal de Seigneur qui m'a couffé à mon écart. Et Jézabel l'a dit, demain, lobby, à 7h, je vais te tuer. Ça veut dire que les gens n'ont pas peur. Même si tu vois dans la vérité, on peut te défier, défier ton Dieu. Même si tu viens à l'église, les gens peuvent te défier, défier ton Dieu. Il savait aussi que Dieu a permis la mort. Ah, après ça, il a même s'est mis dans la liste. Vous voyez comment il a demandé la mort? Jézabel, c'est pas toi qui vas me tuer. Il fuit. Il va dans les déserts. Il va chercher un petit âne. Il dort. Il dit Dieu. C'est toi. Et si lui, je suis parmi eux. Ah, dans l'équipe à tatate. Mes pères. Ah, dans l'équipe à tatate. Au lieu que Jézabel me tue. Si Jézabel a toi-même, il t'a tué. Alani. Il est sans. Mais il dit qu'il est encore à l'Ali. Avec espérance que je parte sous le sommeil. Dieu, Zabé, entend les livres. Aïe, qui lui demande des dégâts. Attends, une liste de la patoitia. Élie, Élie, dans la liste, dans la liste, parce que c'est même pas pour faire. Si Dieu lui-même, qui ne t'a pas tué, Élie, c'est moi, toi, j'ai dit, Élie, c'est moi, toi, sorcier, Élie, toi, magicien, Élie, tu ne te réveilleras jamais. Amen. 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 C'est pourquoi vous remarquerez bien. Moi, là, comment on a c'est alors que Dieu lui dira, t'as pas quoi que ça est, Élie, Élie. Tu veux la mort? On est qui, va? Bon. Non, Dieu est merveilleux. Zambaza, elle est qui toque. Et lui en plein sommet sur l'arbre. Et lui n'a pas mis la scène, n'a pas mis la santé. Si tu veux chercher la mort, allez sous l'arbre. Ah, au second lieu, nous allons voir qui est la santé. Nous allons parenthèse, non, parce qu'il est. Ah! Ah, les mariés. Quasiment, t'as la malade. Quelqu'un frappe. Montez-moi pas bêtise. Élie. Élie, réveille-toi. T'es là. Moi, je me dis peut-être qu'il se disait bon. Comme je fuis, je suis sain ici. Pour l'année, la Kim n'a pas encore et que j'ai demandé la mort. Et que la seule qui voit, quelqu'un qui me dit, mon Dieu, même ça va la boucle. C'est pour dire, alors je viens de tuer. Mais il y a la boucle. Mais, Kassi, à Kamoun, il s'est étonné. Il voit une cruche d'eau à Moni. Avec Méta Bateau, n'a Lipa. Qui n'a jamais mangé dans toute sa vie. Oh, y'a Tina, au lit à terre. Bon, moi, y'a un pas. Là où tu te vois sain. Si vous êtes mon mion, tu te rendras compte qu'il n'y a personne. D'accord, comme mon était mon tas à terre. Mais c'est pour voir à vous. Amen. Maintenant il dira Élie, à Koloma, Élie, retourne, Zona. Tu vas oindre Élisée, prophète, à ta place. Que ne vont pas qu'on Élie, ça m'a foutu à mon sac, on est si canaillon. Il y a ici des choses. Ah oui, Zéna m'a commis, Bale. Élie demandait quoi? Élie a signé à qui? La mort. L'Iwa. Dieu l'a tué. Ça m'a commis. Mais il lui donne des voix. A Pessier et l'autre comment? Rentre. Zona. Tu vas oindre Élisée, que ne vont pas qu'on Élie, ça prophète, à ta place. Mon sac, on est si
Dieu lui donne une information qu'il n'avait pas reçue au début de son ministère. Ah, ça m'a apprécié sa voix, tu as constaté. C'est qu'il comprend que je ne m'aide pas, mais quelqu'un va prendre ma place. C'est que je ne vais pas mourir, mais à tel moment à l'autre, je vais disparaître. C'est simplement que ça pète. Quand tu vois quelqu'un à ta place, ça ne faisait pas pour la beauté de ma foutre à l'essica. C'est quelqu'un qui va te succéder parce que tu n'as rien à cause de l'essica, non pour le cause à l'issue sous terre. Alors qu'il ne l'a pas tué. Ah, donc il a commis une autre. Et il ne va pas mourir. Il va être succédé. C'est qui est ton enseignant? Il rentre. Il est à côté. Il voit Élisée. Ah, pas qu'on Élisa m'a fait. Et il va dire à Élisée. Attends, c'est Élisa. Élisée. Élisa. Reste ici. L'Éternel, Yahweh, qui m'a dit de te voir. L'Éternel, Yahweh, m'a fait. Suivez ici très bien. Élisée dit. Élisa l'a dit. L'Éternel est vivant. Moi, je ne séparerai pas. Ah, là, on t'écoute. Oh, Élisée avait une information. Élisée, ça là qui peut. Non, où est ça, ça pour moi? Qui n'avait pas dit Élie. Oh, Élisée qui est lié à terre. Pendant qu'il marchait, le fils des prophètes, pas de la Massacre, qui était là, n'est pas laissé dans la bouche seulement. Dans le terme de la même nature que nous. Ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit avec moi. Ils sont encore. Nous attendons les jours de la gloire. Le temps est tellement parti. Le chef de la main près de finir avec les peuples. Et de rendre libre les cieux. Nous allons expliquer. Pour le passage de l'autre côté. Ah, pour la conquête des six corps. Ce sont les choses qui sont liées à la 40e année. Et ça dit ma caboué, kangamina mobula tout court. Le Dieu qui est très intelligent. Savoir ça dit ma ennemi qui est de l'intelligence. Après ça, et que tu sois assis dans la parole. Amen. Amen. Beaucoup de gens mangent n'importe quoi, mais toi, Dieu t'a fait grâce. Je peux te dire comme l'ange Gabriel qui a dit à Marie. Tu es béni, puisque toutes les femmes, oh les femmes parlaient de l'église. Il y a une église sur la terre. Tu es béni, puisque toutes les églises. Amen. Amen. Avec les détails que les autres n'ont pas. Mais si tu ne mettais pas la parole de Dieu en pratique, nous serons jugés sévèrement. Et Dieu qui est intelligent, te fasse grâce à l'homme et que tu marches autant que tu sois la lettre du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Aux autres, merci.